Bon, la team, je crois que la vidéo sur le rasso vous a vraiment trop plu. Donc aujourd'hui, on fait l'épisode 2, mon gars. C'est parti. Wow, ok. Wow! Wow! C'est pas incroyable. Ouais, mais gros, ça pousse de ouf, gros. T'étais à combien? Quoi? Elle a combien de chevaux? 450. 450 chevaux? Ah oui, bah oui, je comprends mieux pourquoi. Là, c'est... Oh putain! Mon gars! Bon, j'ai trop chaud, attends, tu m'as donné sur 2 secondes, je vais m'enlever mon pull. Volume, je monte à fond. Grosse voiture allemande, démarrage, je te mets à l'amende devant ta femme. Hey. Si je le sors, ils vont détaler. Dans le bendo avec les bosseurs, regarde la frappe, ça vole des tours. On débite, ça t'étonne. Je veux pas être ami avec elle. Alors, dis-moi à la caméra, qu'est-ce que nous avons alors, devant nous? Nous avons un bolide allemand, très clairement. Une bolide allemand. Porsche. 911 Carrera 4 GTS. À l'intérieur de ça, il y a quand même 450 chevaux. Avec un petit 6 cylindres. Ouais, on les sent, hein. On les sent. Un petit 0 à 100 en 3 secondes 3. Ce qui est quand même. Ouais, c'est vrai, ça va trop vite, ah, gros. Ça va vraiment trop vite. Ça aussi, faut le dire. T'as du pneu, gros. Ça, c'est une boîte donc automatique séquentielle. Elle a évidemment les petites palettes de part et d'autre au volant. Évidemment, le gros blason Porsche qui est vraiment là pour te rappeler que tu conduis un engin aberrant. Et bah du coup, les différents compteurs, les différentes jauges qui sont toujours très jolies. Avec le petit rappel de la voiture. Cette molette-là qui va régler les modes. Donc c'est le mode, tu m'avais dit, normal. Ouais, enfin, normal. Sport plus. Et individuel. Donc là, tu as les places arrière, mais les places arrière qui sont vraiment petites. Le volant en cuir et... on a par exemple le plafonnier qui est en Alcantara, c'est trop agréable à toucher. Et évidemment le pack son Bose avec un son, je vous mets juste un extrait. Le bruit est vraiment abusé quand même. On a eu la place VIP en haut. C'est bon là comme ça? La team, on a eu la place où on expose les voitures, c'est-à-dire qu'on aura la vue sur notre voiture. C'est bon ? La nôtre, je vais comme si c'était... Hop, j'enlève la ceinture de sécurité qui m'a bien servi. C'est n'importe quoi, il est à peine, bien évidemment, 11h08, il y a déjà trop de voitures. Il va y avoir trop de voitures à la fin, on va avoir les yeux perdus. Déjà, je commence à être perdu parce que la couleur aberrante. C'est ma préférée. Je fais toutes ces vidéos, les gars, c'est pour rentrer à la caméra parce qu'elle elle m'a coûté trop cher. Après ça, finis les vidéos. Merci. Vas-y, casse-nous. Santé, les gars. Rien de mieux pour savourer un petit coca. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. N'oubliez pas ça, les gars, très important. Prévention évidemment. Medals round my neck because I won. Now my mama said cause I won. Out here making bands, do what I want. Get with the phone, I get what I want. Get the nails, the 101. Ça fait à peine une heure que le rasso a commencé et le parking est déjà plein. Il est revenu, c'est le mec dans la première vidéo. C'était le caddie dans la première vidéo, il est revenu putain. On revient. Ça fait vraiment un bruit quand même. Mais tu vois, du coup, le bruit il est pas trop dans l'habitacle parce que c'est pour le confort en fait. Vraiment à la GT4 tout court, ouais, le bruit il est vachement dans l'habitacle, ouais. Bah, en fait pour entendre le moteur tout simplement. Mais là c'est elle peut faire des road trips aussi. Donc à force d'avoir le bruit dans l'habitacle, à un moment donné t'en peux plus quoi. Ouais, c'est bon. Ok. Tu vas au drive du McDo avec la Porsche, tu sais. Ouais, c'est trop drôle, genre. En fait, c'est drôle parce que le truc il est haut. Ouais.
Du coup, c'est pas pratique. Du coup, c'est pas pratique. 1m30 la voiture, elle fait 1m30 de hauteur. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre 1m30, mec. Rasso, toi ? Ouais, je suis devant la GTR. Ah merde, bah là, là on est parti. Il y a une GTR ? Ah, ça c'est des ruptures et tout. Hein. Nous, des flammes et tout. Bah nous, on va. Wow, 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 ralenti, gros. Wow. Je me tiens carrément. Je suis avec Gaëtan, c'est l'un des deux créateurs, c'est ça, vous êtes deux à la base, c'est ça, de Ziras Rasso. C'est une association d'événements automobiles. Voilà. On a commencé avec les Rasso, puis on est parti sur les balades. On est parti sur la journée circuit, des cars and coffee, et après on fait tout ce qui est possible. Voilà. Là, on est au Beau Bar, donc c'est un bar-restaurant qui se trouve à la gare. C'est que dans le bar que tu fais ça à la base. Ouais. Et tu prévois d'aller à Perpignan. Ouais, il y a plusieurs projets, je peux pas trop dire. Faut pas spoiler, il faut pas spoiler. Mais si, Ziras Perpignan c'est déjà créé. Ouais. Là c'est encore les demandes d'autorisation, tout ça. Ça ne fait rien sans autorisation. Évidemment. Mais ouais, là pour l'instant il y a Ziras. Côte d'Azur entre guillemets, Ziras Perpignan, et après on prévoit de s'étendre d'aller le plus loin possible. La première vidéo que je fais avec Ziras, mais en vrai je reviendrai dès que tu fais des rassos, etc. Que ce soit les rassos plus organisés comme ça avec des gros événements ou même ceux qui se font un peu au dernier moment quoi. Les spéciaux, mais les rassos de la nuit. Ça je vois pas du tout de quoi tu parles. On va dire qu'on est invité sur des rassos, mais t'es là pour regarder. Niveau organisation, on n'a rien à voir. C'est pas notre problème. Parce que c'est en fait nous le but dans Zera, c'est de redonner une bonne image des rassos. Bien sûr. Et de rendre le milieu automobile plus accessible. Parce que moi à la base je suis pas sportif. Et en fait au lieu d'aller chercher à avoir une sportive pour aller sur les rassos, bah, j'ai faire venir un sportif à moi. Et j'ai mon pote, lui il a déjà une sportive, c'est lui qui m'a un peu transmis la drogue de l'automobile. On veut partager une bonne mentalité, et ceux qui n'ont pas la bonne mentalité, on préfère avoir moins de monde, mais que ce soit un monde de meilleure qualité, c'est clair, ouais. Que des mecs qui se plaignent, qui râlent, qui machin, qui tirent les autres voitures, etc. En tout cas l'ambiance elle est super bonne tu vois dans les rassos. Moi j'ai passé une bête de journée, je t'avoue. Merci à toi. On essaie de faire un petit Fast and Furious légal. Il faut. Ah voilà, exactement. En tout cas, je reviendrai et je t'enverrai des messages quand je serai là. Breakdance, hein. Après freestyle. Ok. Toutes ces choses-là, en fait, on les combine. Pas justement, le but, c'est pas juste de faire garer des voitures sur un parking. Donc au bout d'une heure, t'as fait le tour du parking. Voilà, de l'animation et ça va venir au fur et à mesure. Ouais. Carrément. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Et ouais, on voit qu'il y a de l'évolution et puis ça me fait grave plaisir. Parce qu'ils viennent chez moi. Ils viennent chez moi et... Bon bah merci à toi, je te retiens pas plus. Avec plaisir. J'espère qu'on fera un truc quand même, qu'on arrivera sur un truc. Oh cousin. Oh oh oh. C'est la caméraman elle, c'est la caméraman là-bas. Mais il y a quand même un gosse à l'arrière. Elle gère en vrai, d'être oui. Ça. Le gosse il a tout le monde. Il y avait un gosse dans la voiture. Il y avait vraiment un gosse. il y avait un tout petit en plus. Apparemment il y avait un gosse dans la voiture. Bon bah au moins lui tu peux sûr il a une passion automobile dès l'enfance. Déjà que moi gros j'ai perdu. Attends, il y a une voiture à un moment donné, c'était une Honda Civic. Et genre gros elle pétait, j'avais mal aux oreilles, j'entendais plus rien genre. Ah merci. Oh regardez, c'est la magie. Vous avez vu les mains. Ah franchement vous avez pas vu ma voiture que j'ai les gars. Et je parle aux gens qui regardent la vidéo. Vous avez pas vu avec quelle voiture je suis venu parce que la BM elle est au garage en ce moment. Vas-y, je vais vous montrer après. Après je vais vous montrer la caisse. Sale Porsche qui t'en prêtait hein. Sale bolide, gros gamos. Je sais pas faire l'amour, je sais que faire le pitre. Je sais plus faire le meilleur, je suis le meilleur dans le pire. Assieds-toi, roule en moi, je décompresse, fais le vide. Tu veux faire des erreurs, fais les gènes, fais les vite. À ma place comme 300 kilos de béto. Attends, j'ai des terres comme si j'avais un petit frère à venger. Je vais en boîte pour pillaf, j'y vais pas pour danser. Je vais pas l'amoureux dans ton oreille. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de la journée, c'est la fin du rasso. Je suis avec Tim, franchement, bête de rasso. Putain d'organisation, merci à Ziras les gars, merci à Ziras parce que ils ont vraiment géré. Merci à Tim pour avoir fait le tour en voiture. Bien c'est bien. Vraiment sympa de ta part. Ouais, j'espère que l'épisode 2 vous aura plu les mecs. Oh le bâtard. En tout cas moi je me suis régalé à le tourner. On verra pour l'épisode 3. En tout cas j'en dis pas plus. Je vous laisse la surprise.
abonnez-vous, likez et partagez fort, les gars. Très parce que là on a mis les moyens sur la vidéo les gars. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Ciao l'équipe. Allez, ciao. A plus. Ciao, ciao. La famille Ludivine qui m'attend, mais comme promis, je vous fais juste un petit tour de la voiture. Les boutons ne marchent pas. La voiture ne ferme pas à clé. Bref, tout ça pour dire que cette voiture de près, enfin j'ai hâte de retrouver la BM en tout cas. Voilà. I'm trying to find the word.